Jean-Baptiste Gouache, je suis avocat de franchiseur au sein d'un cabinet qui porte mon nom, Gouache Avocat, qui conseille exclusivement des têtes de réseau. Alors, comme mes confrères intervenant en franchise, nous intervenons d'abord sur le contrat de franchise, sur les aspects juridiques. Pour autant, les aspects fiscaux de la franchise ne sont pas à négliger. Et malheureusement, ils le sont trop souvent. C'est pourquoi le cabinet s'est doté des compétences d'un avocat fiscaliste pour traiter ces aspects fiscaux dans de bonnes conditions. Ces aspects sont multiples et leurs conséquences, ou les économies qui peuvent résulter de leur prise en compte, sont loin d'être négligeables. Je vais citer deux exemples afin de sensibiliser les franchiseurs et aussi peut-être les franchisés sur un des deux exemples à ces aspects fiscaux. Tout franchisé paie un droit d'entrée qui a pour contrepartie, en principe, l'accès au réseau, l'accès au savoir-faire, parfois un certain nombre de services, comme le service de formation initiale ou le service d'accompagnement préalable à l'ouverture du point de vente. Eh bien, quel est le traitement comptable et quel est le traitement fiscal du droit d'entrée? Il va différer en fonction de la rédaction de la clause du contrat. Et cela est malheureusement bien trop souvent ignoré des franchiseurs. Quelles sont les conséquences? Dans un cas, le franchisé va être contraint de passer en charge la totalité du droit d'entrée en première année. Vous imaginez l'impact sur le compte d'exploitation. Ça n'est pas négligeable. Ça va, le cas échéant, conduire à générer un déficit. Ce qui sera négatif pour la présentation de son compte d'exploitation, le cas échéant, sa satisfaction en fin d'année, et clairement, le recrutement des futurs franchisés du réseau. Et bien pour éviter le passage en charge du droit d'entrée, il faut que la clause, clairement, réponde à certains canons de rédaction, et notamment qu'elle n'est pas pour contrepartie des services d'assistance initiale. Or, c'est le cas dans beaucoup et beaucoup trop de contrats de franchise. Donc, les franchiseurs, très clairement, ont intérêt à prendre en compte, dans l'intérêt de leur franchisé, la rédaction de cette clause sur le droit d'entrée. Donc, les aspects fiscaux, on le voit, sont importants. Le droit d'entrée concerne la totalité des réseaux de franchise et la totalité des franchisés en France. Et là, je dirais que c'est le job du franchiseur de savoir quel est le traitement fiscal de son droit d'entrée chez ses franchisés. Parce que ça va avoir des conséquences directes sur les gens qu'il va recruter pour exploiter sous son enseigne. En revanche, si la clause est rédigée d'une manière différente, le droit d'entrée peut être immobilisé, ce qui renforce bien la solidité du bilan, et amorti, donc ce qui produira un effet linéaire sur la durée du contrat de franchise. Maintenant, un deuxième exemple, qui concerne cette fois-ci plus spécifiquement nos amis franchiseurs. C'est la marque. La marque est concédée aux franchisés. Elle est très souvent détenue par la société de franchise, qui est une société française. Donc les redevances de licence de marque, qui vont être payées par le franchisé au franchiseur, sont taxées au taux normal de l'impôt sur les sociétés en France, 33%. Prenons une hypothèse d'un réseau qui remonte 2 millions d'euros de redevances par an. 33%, ça fait un peu plus de 660 000 euros d'impôt sur les sociétés annuelles. Il est possible d'optimiser le revenu net du franchiseur en adoptant des mesures de gestion fiscale de la marque. Ainsi, des pays peuvent offrir des régimes fiscaux privilégiés pour les sociétés qui ont pour objet, pour activité, de détenir et de gérer des marques. Au Luxembourg, par exemple, un régime de faveur permet de bénéficier d'un taux effectif d'imposition de 6% sur les revenus de la propriété intellectuelle. Les redevances de marque sont en principe sous réserve d'une rédaction appropriée du contrat de franchise, dans ce cas, éligible à cette taxation. Si on reprend notre réseau à 2 millions d'euros de redevances, eh bien, l'impôt sur les sociétés luxembourgeoises ne sera que de 120 000 euros. L'économie fiscale est donc à mettre au regard de l'impôt sur les sociétés français de plus de 660 000 euros. Il y a donc là, pour les réseaux, dès lors que les volumes de redevances sont suffisants, une possibilité très claire d'optimiser leur résultat net et donc de se ménager une capacité d'autofinancement bien plus importante pour développer leur réseau. C'est un enjeu important pour les réseaux français qui doivent réfléchir à la gestion fiscale de leur marque. C'est pourquoi Gouache Avocat s'est doté de manière originale dans le paysage des conseils en franchise de compétences fiscales propres à traiter ce type de problématiques.